Salut tout le monde et bienvenue sur YouCook. Alors aujourd'hui je vais faire une petite recette des rostis avec un peu de saumon. Vous allez voir, c'est mortel. Alors pour commencer, je vais prendre mes pommes de terre que je vais venir éplucher. Alors me jugez pas, hein, je fais ça au couteau parce que j'ai perdu mon économe et j'en suis sûr que c'est Jigmé ou Marc qui m'ont volé. Une fois que vous avez terminé, on va venir les râper. Une fois que vous avez fini de râper vos pommes de terre, on va venir les égoutter à l'aide du sopalin. Et je vais venir râper mes oignons. Alors maintenant, je vais venir mélanger mes oignons aux pommes de terre et on va bien les égoutter pour éviter qu'elles se détachent quand on va la cuire, cette petite galette. Alors maintenant, je vais prendre un peu de garniture et je vais faire des petits tas que je vais venir aplatir bien comme il faut. Une fois que vous avez bien aplati vos petits tas, on va venir chauffer une poêle et mettre de l'huile de raisin. Maintenant que l'huile est bien chaude, on va pouvoir déposer notre petit tas dans la poêle. Une fois que votre galette a bien saisi d'un côté, on va venir la retourner. Alors comme vous pouvez le voir, elle est cuite. Je vais la réserver sur une feuille de sopalin et continuer l'opération avec les autres. Maintenant, on va passer au dressage. Alors c'est simple, moi j'ai posé mes deux galettes dans une assiette. Je vais mettre à côté un peu de salade et je vais prendre mon saumon fumé que je vais venir déposer en rosace à côté. Je vais prendre un peu de ciboulette que je vais émincer. J'en mets un tout petit peu au-dessus du saumon. Voilà, c'était ce petit rosti avec des petites tranches de saumon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur YouCook. Ciao, à table. Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous, ciao. YouCook.